Raula Libre, lo media independent del país Nisar. Bon, on n'a que deux micros pour trois. Hein. On attend d'avoir des moyens supérieurs bientôt, mais là... Non. On va se partager le micro tous les deux. Nous, on vous laisse le micro rien que pour vous. Alors, on va... honneur aux plus anciens, hein, puisque... Donc, on va commencer par vous, Henri. Alors, on va retracer très rapidement vos deux carrières en 2, 3, 4 minutes, et ensuite... On va faire un petit peu des interviews croisées. Je crois que vous avez préparé des questions chacun pour l'autre. Ah oui. Il y en a préparé 4. Hein. 4 questions et là 2. Alors Henri, vous êtes né le 9 mars 1957 à Marseille. Et puis vous avez intégré le centre de formation de l'OGC Nice en 1972. Vous avez été recruté par Coxur-Ferry. Et puis vous avez débuté en 1974 à l'OGC Nice. Vous avez 222 matchs avec le Gym. Et seulement 32 avec l'OM, donc beaucoup plus avec les amis de votre club de cœur. Oui, tout à fait. Voilà. Alors parlez-nous un petit peu de cette arrivée à l'OGC Nice et puis ce début en équipe première. Oui, je crois qu'à l'époque, il y avait un élément de porteur, c'était des joueurs marseillais comme Roger Joule, Joël, et Bernard Casserani, qui est un ami qui est avec moi. Qu'on a reçu récemment aussi. Qu'on a reçu, et il y avait un atout dans la mesure où j'avais une forme de sécurité à travers le coach, comme je l'ai dit, qui était un super coach, et à travers certains discours que j'ai pu avoir avec certains, gens du club, m'ont rassuré pour intégrer le centre. On n'était pas dans un centre, on avait une chambre et on mangeait avec des routines. Et puis, alors pour les plus jeunes d'entre nous, hein, ceux qui ne vous ont pas vu jouer, on peut dire que vous étiez un petit peu, si je peux me permettre, vous étiez un peu le Renato Sibali de l'époque. C'était un petit peu, vous avez un peu le même profil. Quoi. Oui, après ça, c'est chacun a c'est son appréciation. Moi, je connais un petit peu bien sûr le joueur, parce que je suis encore dans le métier, parce que le joueur est mon fils. Et puis c'est vrai qu'il avait un peu plus les mêmes caractéristiques que moi, quoi. Enfin, défenseur central, défenseur central. J'ai débuté. Arrière gauche. Alors après, on va revenir un petit peu sur votre carrière. On va passer maintenant à notre ami Frédéric. Alors Frédéric, vous êtes né un petit peu plus tôt. Enfin, un petit peu plus tard, pardon. Vous êtes un petit peu plus jeune, je vous l'ai dit. Vous êtes né le 9 juin 1969 à Bordeaux. Et vous êtes arrivé donc en 1984. Vous avez été recruté par Michel Joly. Et vous débutez en D1 en 89. Avec l'OGC Nice, vous jouez d'ailleurs contre le PSG, s'il vous plaît. Donc vous jouez contre... Oui, ben on peut prendre comme ça, voilà. Non, je ferai... On verra, on va voir. Et donc, et vous avez joué donc, ce match, vous vous souvenez un petit peu de ce match, évidemment, de votre premier match contre le PSG. Ah si, je me souviens très bien. C'était au Stade Touré, 3-3. Et l'entraîneur Alonso, il me dit, bon, il faut prendre sa fête physique au marquage. S'il va faire un tour aux toilettes, tu le suis aux toilettes. J'ai fait que ça tout le match. C'était le Neymar du PSG à l'époque, c'était Tsuzik, c'était un grand joueur. C'était costaud, c'était un grand numéro 10. Et donc vous avez joué 7 saisons avec le J, 137 matchs. Et donc à l'époque vous jouiez arrière-gauche. Arrière-gauche. Et quand vous avez pris Tsuzik, vous étiez arrière-gauche. Non, j'étais aussi au milieu de terrain. Au milieu de terrain, d'accord. Et puis vous avez également porté le brassard de capitaine, donc ça a dû être un honneur pour vous aussi de porter ce brassard. Oui, bien sûr. Oui, surtout dans votre... ma ville, à mon quartier, tout ça, c'est plaisir. Alors on va passer aux questions, après on va revenir sur vos carrières respectives, on va passer un petit peu aux questions que vous avez... est-ce que vous avez une question pour Henri? Alors Henri, une question pour... Alors c'est Henri pour Fondy, très bien. Non, simplement déjà je suis content de le revoir parce qu'on se perd toujours un petit peu de vie à travers chacun. Et puis vous avez été son agent. J'ai été son agent toute sa carrière. Bon, ça a été très difficile parce qu'il était têtu, il ne comprenait rien. D'abord sur le joueur, c'était... Je ne crois pas là. Non, c'était une plaisanterie. C'était un garçon extraordinaire dans notre travail, si vous voulez. Il n'y avait pas de problème. En plus, je pense qu'on s'entendait très bien. On a fait vraiment un nouveau chemin parce que je crois qu'on a fait Montpellier, Sochaux, si je me souviens bien. Hein, c'est ça. Donc j'ai compris moi. Mais non, mais dans l'ensemble, c'était vraiment un garçon charmant et un bon joueur de football. Voilà. Alors la question que vous alliez me poser. La question, j'ai réfléchi là depuis deux jours. Bon, je peux lui poser la question en tant que défenseur. Je ne sais pas combien
surtout depuis qu'il a mis, mais je pense qu'il n'a pas mis beaucoup. Voilà. Alors, il rigole, il commence à rigoler. Moi, je ne sais pas. Alors, non, vous n'avez pas mis beaucoup. Peut-être un. Je crois que c'est ça. Peut-être un, mais je tiens à dire. Quand Henri a été mon manager pendant 10 ans, donc il m'a dit surtout fais les passes décisives. Hein, et ne marque pas parce que j'ai trop de clubs pour toi. Vous savez ou pas? Donc je me suis retenu un petit peu, donc j'envoyais que des galettes. Hein, Thierry? Ah, c'est à moi, oui. Ah oui, Henri, il paraît qu'au début de ta carrière, tu devais jouer numéro 10. Ça, je pense que tu te trompes. J'avais les pieds carrés, donc je suis resté derrière. Ah, ouais. Ah, bon. Donc vous n'avez pas pu concurrencer Jean-Marc Guy à l'époque, hein? Non. Il faut rester à sa place, quand même. Bon. On avait d'autres qualités, mais bon. Alors après Henri, vous avez été sélectionné en équipe de France, et vous avez également été sélectionné en équipe de France olympique. Oui, j'ai eu le parcours olympique. Donc parlez-moi un petit peu de cette période de votre carrière. Je crois que c'est des périodes extraordinaires, parce que c'est des moments de force, les olympiques, toutes les nations, la compétition. C'est vraiment, j'ai vécu des moments extraordinaires. Et puis après, bon, les sélections, toujours aspirent à un moment donné à avoir une sélection en A, en B, puisqu'il y avait les sélections B et Espoir. Après, bon, j'ai atteint le niveau que j'ai pu atteindre. Et puis, dans l'ensemble, je pense avoir fait une bonne carrière. Voilà. Donc, c'est des moments très forts. Et puis, on ne les oublie pas. Voilà. Vous avez été vice-champion de France avec le Jules. Alors ça c'est une grande déception parce que je crois que les gens qui étaient supporters à l'époque, je pense que le titre se joue sur la main de Lopez, je pense. Contre Saint-Étienne. Contre Saint-Étienne à l'époque, s'il accorde le pénalty, peut-être on peut être champion. Voilà. Ouais, ça s'est joué, c'est vrai, sur pas grand-chose. Oui, pour une faute, disons, d'arbitrage en tout objectif. Ouais, c'était Robert Nunes, ça. Tout à fait. Et main de Lopez. Et puis vous avez été en finale de la Coupe de France, mais en finale perdue malheureusement, c'était le match contre Nancy avec Platini qui marque le seul but du match. Ah, je me rappelle, je le marquais. Donc c'est votre faute, alors c'est quoi? Non mais c'est vrai, je pense qu'à travers l'épopée de cette finale, on est au parcours un petit peu difficile, parce que si je me souviens bien, on gagnait péniblement à l'épinal, après on a fait le parcours, on a sorti les grosses équipes. Et puis cette finale, bon, je pense que si on la rejoue, on la gagne peut-être 8 fois sur 10, mais bon, le jour J, on a perdu sur un coup magique de Platini et qui a fait la différence. Alors c'est une grande déception parce que quand on arrive à la fin du match, il n'y a qu'une équipe qui reçoit le trophée et malheureusement, c'est pas le jeu sinistre qui l'a reçu. Quoi. Voilà, ça a été une grande déception. Voilà. Et après, vous avez retrouvé Platini en équipe de France, il vous a pas trop chambré, hein? Non, 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 non. Enfin, ça chambre toujours un petit peu, mais bon, j'écoutais pas comme ça. Alors, Frédéric, alors on va reparler un petit peu de votre carrière. Vous avez joué, alors on va rappeler un petit peu les joueurs avec qui vous étiez à l'époque. Les 7 années que vous avez joué à l'OGC Nice, puis vous êtes venu repartir, enfin, il y a eu plusieurs périodes, en fait, hein. Vous avez été prêté, notamment. Et donc, il y avait Marco Elsner, Robin Langers, Jules Bocandé, Tony Turbos, Jean-Philippe Mathieu, Frédéric Jorian, James Debat, Mohamed Chaouche. Et vous avez connu plusieurs entraîneurs, Pierre Alonso, Jean-Noël Luc, Albert Raymond, Jean Fernandez et Sylvester Takac. Alors quel est l'entraîneur qui vous a le plus marqué et avec qui vous entendiez le mieux à l'époque à l'OGC Nice? Albert Raymond, Carlos Bianchi. Ouais. Ah ouais. Albert Raymond, Carlos Bianchi parce que c'était un chambreur. J'aimais bien chambreur aussi. Il arrivait le matin à l'entraînement, il me dit ça va, puis il me parlait, il me disait bon, vous avez fait ça à la base. Ouais. Et puis ouais, donc c'était en permanence. Quoi. Donc, et puis Albert Raymond, j'ai eu de bons rapports. Pierre Alonso qui a été mon formateur aussi, parce qu'avant il était formateur, il est passé entraîneur. Tous m'ont marqué un petit peu. Quoi. J'ai pas eu de problème particulier. Quoi. Et puis un bon souvenir, ça a dû être la remontée à l'époque c'était la Division 1, remontée de Division 1 en 1994. Ça c'était un de vos meilleurs souvenirs? Ah oui, ça fait partie d'un de mes meilleurs souvenirs. Avec la génération, il y avait Thierry qui est là-bas, là. Oui. Thierry Crétier, James Debat, Lappé, Thierry Geoffrey Thoriard. Ouais, c'était une super saison. En plus, j'avais lancé un pari en début d'année. J'ai dit, si on remonte, on se teint les cheveux en blanc. Ouais, les mecs, ils ont rigolé. Ils disent, bon, en fin de compte, on joue le titre à la fin, puis on est champion de France. Ça fait partie au moins de mes bons souvenirs. Et les France de D2, hein, je passe. Ouais. On est remonté.
Et puis alors, il y a l'histoire dont vous me parlez, là, à un moment donné, vous êtes obligé un peu de quitter le club par rapport à un problème financier. Le club a du mal à passer à la DNCG, donc il décide de vendre Lionel Letizy, Stéphane Collet et vous-même, c'est ça? C'est un peu ça qui a fait que vous êtes obligé de partir, quoi. Ben oui, c'était, en plus, c'était 96, 97, je crois. Ou 97, 98, je ne me rappelle plus tellement. Et ça a arrangé Henri qui a pris la commission. On va venir. Ah oui, c'est spontané, combien la commission? On peut le dire, mais combien? À l'époque, c'était combien la commission? Il y avait deux salades, deux choix. Mais bon, c'était vraiment difficile pour le club. À une semaine du début du championnat, il y a Jean-Luc Bellet qui descend et qui me dit « Écoute Fred, on passe pas à la DNCG. » Donc on est obligé de te vendre. Donc Henri m'a appelé et puis on a fait ce qu'il fallait. On est parti pour le club. Vous êtes parti à Montpellier? À Montpellier, mais je suis revenu après la saison d'après. Je suis reparti, Nice ne pouvait pas lever l'option d'achat parce que c'était pas le niveau. Et je suis reparti à Sochaux. Donc je tiens à dire aussi, parce que pendant une dizaine d'années, maintenant je suis passé de l'autre côté, quoi. Donc je vois un petit peu comment ça fonctionne les managers. Donc je peux dire qu'Henri, il a géré toute ma carrière et il était là au bon moment, mais il était là aussi sur les mauvais moments. Donc il est venu dormir à la maison, ça je me souviendrai toute ma vie. J'ai passé une mauvaise période, il était là. Donc ça, je tiens à signaler, je tiens à te remercier maintenant devant tout le monde. Merci. Même si tu n'as pas joué de vendredi, c'est bon. Mais en fait, moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Donc, des fois, tu as des bons et bons moments. Même si le métier a changé un petit peu, et c'est très compliqué pour les supporters parce que d'une année à l'autre, il y a beaucoup de variantes dans les clubs. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, ça fait partie du paysage actuel. Voilà. Et quand les supporters, on aime bien rester avec quelques joueurs qui s'ancrent dans le paysage niçois et qui puissent faire évoluer le club dans les meilleures conditions. Bon, ça évolue, alors bien ou mal. Nous, on est d'une autre époque, donc on n'a pas la même philosophie, mais on est obligé de s'adapter. Quoi. Voilà. Et puis vous, Henri, maintenant, vous avez passé un petit peu la main, puisque c'est votre fils maintenant qui a pris votre... Tout à fait. Votre entreprise d'agent. En plus, c'est mon fils, il est là-bas. Est-ce qu'il peut nous donner quelques infos sur Adam Nunes? Je ne sais pas, peut-être qu'il va vous les donner. Prendre le micro, vous dire un petit mot. Non. Il va arriver. Il va arriver. Voilà, donc on a une exclu ce soir, bravo, on est content. Comme il s'occupe d'Adam Nunes, est-ce que c'est demain ou après-demain? Mais je pense que demain, peut-être qu'il sera là. Il sera les bonnes nouvelles pour les supporters d'ici. Je suis content. Voilà. Ancien Bordelais. Ancien Bordelais. Et qui joue à Naples. Non, voilà. Après, c'est une autre ère à travers les structures du club, parce qu'ils ont un stade magnifique. Je pense qu'il y a une bonne saison, parce que le président Rivière, Fournier, que ce soit les coachs, ont fait du très bon boulot. Après, c'est toujours pareil. Quand ça commence à gagner, il y a une forme d'instabilité, si vous voulez, parce que les joueurs sont sollicités et c'est compliqué de les tenir. Voilà. Donc, c'est le système qui est comme ça, mais là je pense qu'avec l'arrivée du nouveau président, j'espère qu'il va apporter de bonnes recrues et que le club va faire encore de très belles saisons. Voilà. Écoutez, c'est tout ce qu'on espère. Voilà. Parce qu'on a attendu quand même un petit peu. Oui, mais bon. C'était long, mais c'était bon. Voilà. C'est arrivé, ça c'est une bonne chose. C'est le principal. Voilà. Alors, Frédéric, vous gagnez. Par contre, vous partez l'année de la victoire en Coupe de France, 97, vous n'êtes pas dans l'effectif. Et par contre, c'est peut-être un petit peu une déception de ne pas avoir participé à cette finale. Oui, bien sûr, c'est toujours une déception, surtout qu'on s'était préparé en début de saison pour ça. Mais bon, c'était ça où le club descendait soit en D2 soit en National. Donc, vous n'avez pas trop le choix. Surtout que mon club, je ne peux pas le laisser tomber quand même. Quoi, donc, il fallait faire quelque chose. J'ai fait ce qu'il fallait, je suis parti à Montpellier. Bon, avec Nicolas, c'était bien aussi, ouais, c'était un sacré personnage. Donc après, j'ai demandé de rentrer à la maison, il m'a dit ok, il n'y a pas de problème, après il a fait ce qu'il fallait. Donc voilà, oui, c'était quand même une déception, mais bon, après, la saison avait été difficile, je crois, cette année-là. Mais c'est le club qui est descendu. Ouais, le club est descendu, quoi, donc c'était assez difficile. Et puis donc, vous jouez, alors vous revenez la saison suivante, donc le club est en division 2 à l'époque, et donc par contre, vous jouez la Coupe d'Europe, la Coupe des vainqueurs de Coupe. Donc contre Klimarnock et le Spartak Prague. Donc ça a dû être un bon souvenir pour vous de jouer ces 4 matchs de Coupe d'Europe, sans défaite d'ailleurs, parce qu'on n'a pas perdu contre le Spartak Prague, on est éliminé en fait par rapport au nombre de buts à l'extérieur.
Oui, je me rappelle ce but au Spartak retour. Je crois que c'était. En plus, c'est Honorati, je crois, qui laisse passer le ballon. Et je crois que le mec, il met juste le pied. Et c'est vraiment, oui, sans perdre un match, quoi. C'est difficile. C'est difficile, mais c'est un super souvenir. Super souvenir. Et puis en plus, on a vu que c'était chaud au stade du Ré. Donc si la Coupe d'Europe revient chaque année ici, bonjour pour les adversaires. Ça va être compliqué. Est-ce que vous avez une autre petite question pour votre ami Henri? J'en ai toujours pour Henri. Henri, tu as fait une super carrière, ça c'est incroyable. Mais pourquoi tu es parti à Orléans? Fait une carrière, j'avais quel club, j'ai signé à Orléans. Tu sais, vieillissant, c'est toujours pareil. Il y a des opportunités, et des fois il y en a un peu moins. Et bon, moi, j'ai arrêté ma carrière, j'ai fait 2 ans et demi à Orléans, et après j'ai attaqué le management à 33 ans et demi. Et donc j'ai fini à Orléans parce que j'ai été sollicité, que je voulais finir à deuxième division. Parce qu'après tu ne peux pas faire autrement, parce que bon, c'est comme ça. Hein. Ah, ils avaient une équipe en deuxième. Ils avaient une équipe de football, un petit peu chiant pour l'homme, quoi. J'ai pas joué en plein. Mais il se moque, il a fini à Menton. J'ai pas compris parce qu'il m'a dit. Mais vous moquez, mais vous avez terminé à Menton. Ah, mais c'est la question d'Henri ou c'est vous qui posez la question? Par contre, là où je suis surpris, c'est qu'il a un entraîneur. Là, par contre, j'ai rien compris. Il va me l'expliquer peut-être. Oui, c'est Jean-Marc qui m'a emmené avec lui à Bamako. Non, mais c'est bien parce que je trouve qu'à travers une carrière de footeur, je pense que ton expérience de footeur, ça t'apporte certains ingrédients. Et après, bon, je pense aussi, c'est peut-être aussi au départ une envie à la fin d'une carrière de passer de l'autre côté, de donner ce que tu as pu donner toi dans ta carrière. Voilà. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Je prends du plaisir. Je joue encore un petit peu, mais pas beaucoup. Parce que là, il vaut mieux pas. Je ne peux pas trop jouer, surtout avec les petits de 12-14 ans, ça commence à être compliqué. Quoi. Non, mais oui, de pouvoir donner tout ce qu'on a accumulé pendant une carrière. Mais bon, je joue là-bas, je joue le rôle vraiment de grand frère aussi. Quoi. C'est vraiment très important. Quoi. Puis ça marche très bien. Quoi. Ça fait 10 ans que tu fais ça. Ça fait 10 ans que je suis avec Jean-Marc Guillou, donc à Bamako. Il vient 2-3 fois par an. On applique sa philosophie. Voilà, c'est vraiment top. Oui, donc juste pour préciser, vous êtes donc à l'Académie Jean-Marc Guillou, au Mali, à Bamako, et vous vous occupez donc des jeunes pour qui sont notamment, pas mal de jeunes sont, on le voit, sont arrivés en Europe pour intégrer des équipes professionnelles. Oui, il y a à peu près une vingtaine, alors ceux qui me viennent tout de suite comme ça, il y a Arène, Amarie Traoré, il y a Bissouma, il y a Tadjé Samasekou, Doudou Aïdara Leipzig, il y en a à Monaco, enfin, il faut que tu aies un numéro des gamins, mon fils, ça serait une bonne chose. Il ne tire pas le nom. Alors Henri, actuellement vous habitez sur Rennes. Oui, j'habite sur Rennes. Hein, et puis vous avez gardé une petite résidence secondaire au Croc de Cannes. Oui, je suis au Croc de Cannes. Donc vous plaisez bien au Croc de Cannes. Je suis attaché à la région, bien sûr. Voilà, parce que j'ai vécu quand même pas mal d'années. Enfin, à Rennes, il y a moins le soleil, hein, donc c'est pour ça que je laisse un petit peu dans le sud. Donc si vous voulez, bon voilà. Mais vous êtes bien bronzé pour un Rennais, hein. Mais oui, je profite. Hein. Alors on va citer un petit peu les joueurs dont vous étiez l'agent, parce que c'était pas n'importe qui, hein. Il y a quelques champions du monde, hein. Notamment Emmanuel Petit, Franck Leboeuf, Steve Savidan, Jimmy Briand, Pierre Alafro, Bafé Gomis, et puis quelques entraîneurs aussi, Philippe Montagnier. Bonjour d'ailleurs. Michel Zakarian, enfin et puis un certain Frédéric Martin, c'était votre joueur star de l'époque. Non mais tout à fait. Non mais je crois qu'au-delà d'être star ou pas, c'est dans le travail. Enfin moi j'ai jamais signé de contrat avec les joueurs. J'ai jamais signé de contrat avec les joueurs, j'ai tapé dans la main. J'ai fait ça, j'ai fait d'abord la première fois 22-23 ans. Après je suis parti directeur sportif à Valenciennes parce que j'avais cette possibilité là, j'ai voulu voir autre chose. Et là j'ai continué quand même un petit peu à travailler, parce que j'ai quelques dossiers, je travaille à l'étranger, bon je fais un petit peu à mon rythme. Et puis, mais bon, moi j'ai toujours travaillé, j'avais Jean-Philippe Mathieu, j'ai fait toute sa carrière. Fred Jorian, j'ai fait toute sa carrière, j'ai jamais signé de contrat avec les joueurs. Sauf que malheureusement aujourd'hui, même il y a des joueurs qui signent un contrat, deux contrats, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a une forme d'instabilité. Là j'en viens un petit peu au côté naturel de la vieille époque, si vous voulez. Supporters pour les gens, il n'y a plus d'identité, je veux dire entre guillemets, hein, je veux dire entre guillemets, parce que bon, je pense que les
les gens s'adaptent aussi quelque part, parce que ça fait partie un petit peu du paysage du football, si vous voulez. Et puis voilà, mais le plus important, je pense que pour les supporters, c'est qu'ils voient du beau jeu et que l'équipe le gagne. Voilà. Excusez-moi, là, j'ai vu mon ancien locataire qui a joué un petit peu au football. Et s'il est mon petit coquille. Ah non, bien, je demande l'autorisation. Ah oui, bien sûr. Viens ici. Il est déjà venu. Non, ça fait plaisir de voir les anciens. Ça fait plaisir de voir 3-4 anciens qui viennent voir d'autres anciens. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous venez. Mais les dire de venir. Bien, Thierry. Pas de se poser quasi. Merci à tous. Mais Thierry, il y a les anciens des anciens. Après-guerre, bien, mais non, mais les anciens maintenant. C'est sympa. Je sais pas où est une petite parenthèse. Je pense que ma fête, ça me touche quelque part parce qu'on honore un peu, disons, les vieux et ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'était simplement ce que je voulais dire et le club fait bien les choses. Voilà. Alors, on va passer aux questions des supporters. Voilà. Oui, bonsoir. J'avais une question à poser à André Sambelli. Ça me fait plaisir de le revoir pratiquement 40 ans après, de le voir en pleine forme. Il a joué avec des joueurs prestigieux, dont mon collègue Bernard Castellani. Lorsque vous jouez à côté de colosses comme le regretté Katalinski, à l'arrière justement, lui qui était libéro, comment ça se gère, comment on s'entend avec lui? Voilà. Je crois qu'il y a des choses simples dans le football. C'est-à-dire qu'au-delà de la qualité du joueur, si vous voulez, il y a l'homme. Et quand on discute avec quelqu'un qui est un grand joueur et qui a une capacité d'aider les gamins, enfin, quand je dis gamins, j'avais 17 à l'époque, ça facilite les choses. Et après, à travers un petit peu toute l'équipe qu'il y avait autour, je pense que c'est plus facile d'être bon quand vous avez des grands joueurs qui jouent à côté. C'est-à-dire que le ballon, ils sont d'une manière différente que quand vous jouez dans une mauvaise équipe où c'est plus dur. Après, chacun avec ses qualités, avec une forme de complémentarité, si vous voulez. Mais je crois que l'atout de Katalinski ou de grands joueurs comme Katalinski, il n'y a pas que les joueurs. Il y a la tête de l'homme, et c'est un gars qui m'a fait vachement progresser, même s'il pouvait nous engueuler, parce que moi ça m'énervait des fois, parce que lui il partait toujours, moi il fallait que je reste derrière. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage, moi. Et c'était un super joueur. Alors une question pour Frédéric. Oui, salut Fred. Je voulais te demander, est-ce que tu as des bons souvenirs du Venise? Tu te souviens de moi lorsque tu jouais là en amateur? Quels souvenirs gardes-tu de Max Payan, décédé, le pauvre? Et tu sors du Venise, tu sors de chez nous, quoi, quelque part. Alors, je souhaiterais savoir un petit peu si tu as des bons souvenirs, quoi. Oui, ben, le Venise, c'est le démarrage. Je me rappelle le premier entraînement à Saint-Roch. C'était ma mère qui me prend par la mer, on arrivait de Bordeaux, j'avais 5-6 ans. On arrive au stade à Saint-Roch, il y avait M. Page, il y avait tout le monde. Et là, voilà, mon premier entraînement, je suis parti d'ici, et puis je suis resté quand même une dizaine d'années avec tout le monde, avec Max Payan, en fait, c'était une figure du Venise, mais une figure du football aussi, quoi. Donc oui, moi j'ai connu le Venise et l'OGC Nice, quoi. Oui, et le Venise fait partie de la grande famille. Ah, oui. Même Sandrine, la grande sœur, qui se souvient, qui jouait avec mon fils en plus, je crois qu'elle est dans le monde, elle a arrêté le football. Oui, elle a arrêté le football. Elle a 47 ans. Oui, ma sœur a joué aussi. Elle est toute jeune encore. Ma sœur a joué aussi. Donc, toute la famille a joué au Venise. Enfin, moi, j'ai fait deux clubs de Venise et l'OGC Nice, en jeune. Donc, c'est un excellent souvenir. Le siège était à Place Saint-François, donc ça, je peux pas oublier. Ah, il est toujours. Hein, oui, on aura l'occasion de passer avant. Oui, des escaliers. Voilà. Ouais, quand je vais voir ma grand-mère, je vais passer. Non, mon frère. Merci beaucoup. Une autre question, une question, Étienne peut-être. Hola, mio bella Nisa, regina dei flui, vittorisa. Io canterai tu giù, cantai ai montagna, il tio tan ril de cor, li tio verdica.
campagna, lì ti un gran sole d'oro.